Fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Partagez la vidéo massivement. Pour un instant, je vais boire un peu d'eau. Partagez massivement. Shamaria Sutra, Lika Yazura, Isi Rostahae, Lika Tibrostaria Mahe, Sheria Sutae, Lika Tibrosae, Lezae Kaderi Brosae, Lika Deri Brosae, Shaza Brostaka, Lika Tibrostamae, Liki Tibrosada, Lezibraya, Kalezibraya, Marae Kadeli Brosa, Kala Zabraya, Marie Kadeli Brosate. Invite quelqu'un, invite quelqu'un. Nous voulons parler ce soir d'un message très important. J'ai appelé les chroniques. Oh my God, my King. In Jesus' name. Alléluia. Si tu es sur YouTube, dis quelque chose. Si tu es sur Facebook, dis quelque chose. Dis quelque chose pour encourager ce moment-ci. Dis quelque chose pour encourager ce moment. Je salue Ahmed. Je salue Maman Laurette. Je salue Dani. Je salue Émilie, Anaïs. Je salue Will, que j'ai vu déjà connecté. Je salue Elisa. Je salue Chante Zénia. Je salue Chantre Landry, je salue tous ceux qui sont connectés d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore là à notre rendez-vous. C'est un rendez-vous avec le Seigneur. Ce n'est pas un rendez-vous avec un homme. Voilà pourquoi tu dois te précipiter pour venir à ce rendez-vous-ci. Parce qu'il ne s'agit pas ici de faire plaisir à Zerach, il ne s'agit pas de faire plaisir à un X ou Y personne. Voilà pourquoi c'est important d'être discipliné. Vous devez savoir que nous ne faisons pas l'œuvre d'un homme, mais nous faisons l'œuvre de Dieu. C'est très important de respecter Dieu. Ce moment-ci est un moment où Dieu veut te parler, où Dieu veut te communiquer un esprit, où Dieu veut te donner une notion particulière pour faire quelque chose de particulier. Parfois, où je dirais même, Dieu regarde nos vies, Dieu nous observe au quotidien. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Ceci fait que ton besoin ou ton problème, Dieu le connaît. Toi, tu peux croire que ton problème, c'est l'argent, alors que Dieu voit que ton problème, c'est l'état de ton cœur. Toi, tu peux croire que ton problème, c'est le mariage, alors que Dieu voit que ton problème actuel, c'est d'abord l'argent. Donc, Dieu peut connaître ce que toi, tu ne connais pas sur ta propre vie. Et c'est pendant des enseignements, pendant des atmosphères pareilles, que le Seigneur peut révéler quelque chose et t'affranchir. Que le Seigneur peut te communiquer quelque chose et t'affranchir. Donc, les moments avec l'Éternel sont des moments à chérir. Si tu as goûté que l'Éternel de ce ministère, le Dieu de ce ministère est bon, pourquoi ne pas te connecter tous les jours? Pourquoi ne pas suivre les programmes? Parce que lorsque tu as goûté quelque chose et que cette chose-là t'a attiré, la Bible déclare que personne ne vient à Dieu si Dieu ne l'attire. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas d'un homme, mais il s'agit de Dieu derrière un homme. C'est-à-dire, si les messages qui sortent de ma bouche ont attiré ton âme, ont attiré ton esprit, ça veut dire que Dieu veut m'utiliser pour faire quelque chose dans ta vie.
Pourquoi ne donc pas être fidèle au programme? Pourquoi ne donc pas être présent tous les jours? Bien-aimés, je vous parle. Je vous parle. Soyez des hommes intelligents. Dieu ne fait rien au hasard. Et je suis persuadé que si un ministère de plus existe sur la terre, Dieu sait pourquoi ce ministère-là existe. C'est certainement pour toi qui m'écoutes actuellement. C'est certainement pour toi qui m'écoutes actuellement. Donc, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je veux parler des chroniques. J'ai intitulé le titre « Les chroniques ». Les chroniques. Mais avant de dire ça, j'ai envie de mettre une forme de fondation. J'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire quelque chose avant d'en rentrer dans le vif même du sujet. Tout à l'heure, j'étais en train de méditer un tout petit peu. J'étais en train de méditer et le Seigneur me rendait ministère quelque part. Écoutez, bien-aimé. Dans la Bible, vous avez vu la dispensation de Moïse. Et vous avez vu la dispensation de Jésus. Nous sommes dans une époque dans l'Église où les gens vivent un peu dans la confusion. C'est-à-dire que les hommes ne savent pas, c'est-à-dire respecter les dispensations. Je vous explique. Durant la dispensation de Moïse, vous n'allez voir nulle part mentionner le fait que Moïse voulait amener les gens au ciel. Moïse n'a pas vécu pour amener le peuple au ciel. L'objectif au temps de Moïse était d'amener le peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Comprenez-moi bien. L'objectif au temps de Moïse était d'amener le peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Ce pays-là était une terre. Et cette richesse, où cette richesse-là, Dieu avait promis à Abraham que le peuple ira quelque part, qu'il allait amener ce peuple-là dans une terre qui devait les appartenir. Et ça, c'était le but de Israël, c'est-à-dire que c'était le but de Dieu avec le peuple d'Israël. Donc le Dieu d'Israël, ou encore le Dieu de Moïse, son objectif était de conduire le peuple de Dieu dans le pays où coule le lait et le miel. Ce peuple va passer du temps, 40 ans dans le désert. Et pendant qu'ils seront dans le désert, Dieu va manifester des miracles incroyables. Ils vont boire de l'eau qui sortira des rochers, ils vont manger des cailles, de la viande qui viendra du ciel, ils vont manger de la manne qui viendra du ciel. En fait, il y aura des miracles. Certains, les chaussures vont porter des chaussures, les chaussures ne vont jamais s'user pendant 40 ans. Ça veut dire que les chaussures vont même grandir sur leurs pieds. Il y aura des choses extraordinaires que Dieu va faire. Mais la dispensation-là avait pour but d'amener le peuple dans le pays où coule le lait ou le miel. Ça veut dire que rater la volonté de Dieu dans la dispensation de Moïse, c'était rater quoi? Le pays où coule le lait et le miel. Et ça, c'était quoi? Ce qu'on appelait l'ancienne alliance. Une autre alliance est venue. L'alliance en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus vient, Jésus ne vient pas pour donner une terre. Il vient avec le royaume. Les gens ne comprenant pas que Jésus venait avec le royaume des cieux, ont cru qu'il venait pour bâtir son royaume sur la terre. Et ce qui s'est passé, c'est que Hérode, ayant appris cela, a dit, il faut même que je le tue avant. C'est-à-dire que avant même qu'il ne devienne conscient, il faut que je le tue. Parce que Hérode a pensé que Jésus était en train de venir faire quoi? D'amener un royaume sur la terre. Qu'il devait venir prendre, je ne sais pas, monter sur ses chevaux avec sa cavalerie, dominer, gouverner sur la terre. Mais Jésus a montré que l'objectif n'était pas encore de régner sur la terre, mais c'était d'amener d'abord le royaume des cieux. Oh my God, aide ce peuple. Pourquoi je vous dis ça, bien-aimé? Il y a une confusion dans l'évangile aujourd'hui. Et plusieurs agissent comme si Jésus-Christ ne savait pas ce qu'il faisait. Jésus n'est pas venu vous donner une terre de bénédiction ici-bas. Ce n'est pas ce que Jésus est venu faire.
Jésus n'est pas venu te donner le pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu pour te présenter le royaume des cieux et la justice. Et maintenant, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce qui est terrestre vous sera accordé. Mais plus exactement, vous aurez les choses terrestres comme des prémices, comme des signes. Ça sera comme des signes précurseurs de la grande gloire à venir. Ça veut dire quoi? Que celui qui vient à l'église et dont l'objectif est de posséder les richesses terrestres, dont l'objectif, je répète, est de posséder les richesses terrestres, dont l'objectif est de devenir grand sur terre, dont l'objectif, ça c'est une mauvaise motivation. La motivation, si c'était dans la dispensation de Moïse, où l'objectif était d'aller dans le pays où coule le lait et le miel. Vous n'allez pas voir là-bas, on va vous parler du ciel ou parler de l'enfer. Non, on ne parle pas de l'enfer. Selon Moïse. Ou tu rates le pays où coule le lait ou le miel, ou tu entres dans le pays où coule le lait ou le miel. On parlait là-bas du séjour des morts, c'était tout. En Jésus, on commence à parler de quoi? De la géhenne, de l'enfer, et on commence à parler du royaume des cieux. Donc, il ne faut pas qu'on soit distrait. L'Église de Jésus-Christ ne vient pas vous enseigner comment être riche sur la terre. Que ce soit clair pour tout le monde. Du moins, ce n'est pas mon évangile. L'évangile que moi je prêche, c'est l'évangile qui vous annonce le royaume des cieux et qui vous prépare à l'enlèvement. Voilà l'évangile que je prêche. Maintenant, dans cet évangile, il nous est dit de manière claire que si on cherche d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, le reste, le manger et le boire nous seront donnés. Mais ça nous sera donné dans l'état d'esprit du contentement. Dans l'état d'esprit du contentement. Et ceux qui seront appelés à être riches pour tirer les autres, ils seront riches. Ceux qui seront appelés à être des milliardaires pour aider les autres, le feront. Parce que laissez-moi vous dire que tout le monde ne sera pas milliardaire. Même si vous allez à l'église et on dit recevez l'argent, tout le monde ne recevra pas l'argent. De la même manière que quand vous recevez la guérison, tout le monde ne reçoit pas la guérison. Excepté ceux qui sont appelés à recevoir cela. Quelqu'un me dira, mais à quoi sert donc la foi? La Bible nous dit, on a trouvé quelqu'un qui était sourd. Je crois aveugle, je vais dire. Et les disciples vont demander à Jésus que celui-ci, il est aveugle. Est-ce parce que il a péché ou parce que ses parents ont péché? Jésus répondra que ce n'est ni parce que lui il a péché, ni parce que ses parents ont péché. Mais c'est afin que Dieu soit glorifié. Dieu soit glorifié. Donc Dieu, il n'y a rien qui surprend Dieu. Rien du tout. Tout ce que vous voyez, ce sont des choses prédestinées d'avance dans la préscience de Dieu, dans la sagesse de Dieu. Et chaque chose qui arrive, arrive pour un but. Nous ne serons pas tous milliardaires. Nous ne serons pas tous riches. Tout évangile qui met en avant le fait que vous serez tous riches, ce n'est pas un vrai évangile. C'est un détour. C'est une illusion, en fait. C'est une illusion. Et il faut qu'on vous dise cette vérité. Le but de l'évangile, ce n'est pas de posséder les possessions terrestres. Le but de l'évangile, c'est de dépouiller, je dirais même de nous dépouiller de la mondanité. Nous dépouiller de la mondanité pour nous qualifier pour le ciel. Voilà pourquoi l'objectif de l'évangile, c'est ça. Nous faire passer par la croix. Parce que c'est à la croix que la chair est crucifiée. Et quiconque n'a pas la chair crucifiée n'est pas qualifié pour le ciel. Voilà pourquoi on doit prêcher un évangile qui vise à crucifier la chair. Voilà l'évangile que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Et les autres choses ne sont que des accompagnateurs, c'est-à-dire que ça accompagne cet évangile. Ça accompagne cet évangile. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Voilà l'objectif. Et le reste, Dieu appelle ça les restes. Et Dieu va même jusqu'à dire que c'est les païens qui recherchent les restes. Donc la différence entre le païen et le chrétien,
C'est que le païen recherche les choses terrestres qui peuvent rouiller, qui peuvent, donc que les termites peuvent manger. Mais le chrétien recherche les choses célestes qui vont l'ouvrir les yeux dans le royaume, qui vont l'ouvrir, ouvrir son entendement dans le royaume. Pourquoi? Parce que le chrétien sait que la terre s'y sera détruite et que lui, il veut être qualifié pour le nouveau ciel et la nouvelle terre après la grande guerre. Ou bien, je vais dire, après, dans l'avènement du Seigneur, lorsque le Seigneur va venir pour faire quoi? Pour établir son royaume de mille ans. Ça veut dire qu'un bon chrétien n'attend pas les voitures et les voyages. Un bon chrétien attend l'enlèvement. Donc, notre dispensation, si bien aimée, c'est une dispensation qui vient nous enseigner comment aller dans le royaume. C'est une dispensation où on vient nous enseigner l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas une dispensation où on vient nous enseigner comment entrer sur ta terre, où va couler le lait et le miel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Maintenant, suis-je en train de dire que être riche est mauvais? Loin de là. Suis-je en train de dire que se marier est mauvais? Loin de là. Suis-je en train de dire que posséder ces choses est mauvais? Loin de là. D'ailleurs, avant Jésus, les gens possédaient déjà ces choses. Jésus n'a pas trouvé Pierre pauvre. Pierre était un pêcheur de poissons. Il faisait son travail. La plupart des disciples de Jésus étaient des gens à la pêche. Lui-même, il était charpentier. Mais quand Dieu l'appelle, il laisse la charpente. Il décide de marcher sur les voies de Dieu. Quelqu'un viendra lui dire que je vais te suivre. Dieu, il dit quoi? Que le Fils de l'homme n'a pas où poser la tête. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il vit uniquement pour servir Dieu. Et lorsque Dieu lui dira, arrête-toi chez un tel et mange, il entre là-bas. Si la personne le reçoit, il mange. Il dort. Si la personne lui donne un toit pour dormir, après il sort, il part. C'est comme ça que Jésus vivait. Vous allez voir, Jésus s'arrêtait dans des endroits, dans des endroits, dans des endroits. Et en tant que prédicateur, il usait de son droit de prédicateur. C'est-à-dire qu'il y avait des offrandes qui entraient dans les caisses, dont Judas gardait. Donc parfois, quand il fallait acheter du pain, ils achetaient du pain. Mais quand il n'y avait pas le pain, ils demandaient qui parmi vous a le pain là. Il prend le pain, il multiplie. Je veux que vous compreniez un peu la vision de l'évangile. Et les gens ont toujours cru que non, il veut être roi. Le gars là, il veut déjà dominer les gens. Voilà pourquoi on l'a même tué. Parce qu'on a cru qu'il veut régner à la place de l'autre. Parce que les gens voyaient que mais, celui qui multiplie le peuple, celui qui guérit les gens qui sont malades, certainement c'est le roi. Donc les gens ont voulu le mettre roi. Mais lui, il évitait ça. Parce qu'il n'était pas venu pour être glorifié en tant que roi terrestre. Mais il était venu pour nous montrer le chemin pour arriver dans son royaume, le royaume des cieux. Et maintenant, notre mission, c'est laquelle? Notre mission ne vient pas faire quelque chose que Jésus n'avait pas fait, mon ami. On vient faire ce qu'il a fait. On dit si telle chose est arrivée au bois vert, qu'en est-il du bois sec? Donc le but maintenant, c'est de faire exactement comme Jésus a fait. Montrer aux gens le chemin du royaume. S'assurer que les gens entreront. Leur montrer comment on fait pour arriver là-bas. Pas leur montrer comment on fait pour s'enrichir. Maintenant, est-ce à dire que si Dieu t'a appelé, il va te laisser mourir de faim? Non, je ne pense pas. Il pourvoira. Il pourvoira. L'homme de Dieu vivra des offrandes là. L'homme de Dieu vivra de ça. C'est ça qui sera pour lui comme un travail. Vous devez mettre ça dans votre esprit. C'est ça qui sera pour lui comme un travail. Il enseigne, il fait ça et il use du droit de prédicateur. L'apôtre Paul dit dans un livre que j'aurais pu vouloir user de mon droit de prédicateur, mais je ne veux pas que cette gloire me soit enlevée. Une manière de dire quoi? Que les personnes que vous voyez, oh, mahalabrosma, donne-moi les mots justes. Il pouvait user de son droit de prédicateur. C'est son droit. Il pouvait en bénéficier. Mais il décida de ne pas en bénéficier.
pour ne pas être une occasion de chute pour un faible, pour ne pas mettre un obstacle à l'évangile, pour que les gens ne disent pas que à celui-là, il ne fait que demander l'argent, celui-là, il ne fait que ça pour s'enrichir. Donc, pour refuser, pour ne pas faire ça, il décida de ne rien demander. Il décida de ne rien demander. Donc, celui que vous voyez demander ne pêche pas parce qu'il demande, parce qu'il use de son droit. Celui qui travaille à l'autel est nourri par l'autel. Les lévites qui travaillent à l'autel sont nourris par l'autel. Ça, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Là où Jésus était, il mangeait. Les disciples de Jésus aussi mangeaient. Là où Jésus était et profitait de quoi que ce soit, les disciples aussi en profitaient. Parce qu'ils étaient tous dédiés finalement au sacerdoce. Et c'était leur œuvre. Mais avant ça, ils travaillaient. Qu'en est-il donc des autres? Les autres autour, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils priaient seulement? Non, ils avaient un travail. Ils gagnaient leur vie. Normalement. Je vais vous donner un autre exemple. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu appelle Abraham, Abraham est riche. Abraham a des brebis, il a tout ça là. À cette époque-là, les gens là faisaient quoi? L'élevage. Et presque tous. C'est-à-dire que le débat au temps de Moïse n'était même pas un débat pour dire que tel est riche, tel est pauvre. Non, c'était pas ça. Puisque presque tous là, ils étaient quoi? Des bergers. Tous avaient des brebis. La richesse en ce moment, ça se comptait. Ça se comptait en fonction du bétail que tu avais. Abraham était un homme riche. Et chaque enfant d'Israël, il était aussi riche. Ils étaient des hommes riches, en fait. C'était des hommes riches. C'était un peuple puissant. Un peuple de bergers. Chacun avait quelque chose. Donc, en cette époque-là, ce n'était pas une affaire d'argent. Mais ils cherchaient une terre. Une terre, la terre de leur père. Une terre où ils devaient être reposés. Sans souffrir des autres pays voisins. C'était ça l'objectif en cette époque. Donc, à notre époque, comprenez que l'objectif, c'est le royaume des cieux. L'objectif, c'est le royaume des cieux. Et j'avais dit ici une fois que si tu veux posséder les biens terrestres, tu n'as qu'à appliquer les principes de la loi. Parce qu'effectivement, c'est les principes de la loi qui te conduisent vers une terre promise. Donc, si tu as besoin d'une terre ici, de l'argent, de ces choses, il y a des principes. Tu appliques ces principes-là, tu vas bénéficier de ça. Mais l'évangile que nous prêchons dans cette dispensation n'a rien à voir avec vous rendre riche. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Et quand bien même on aura prié pour toi, si tu n'es pas appelé à être milliardaire, tu ne le seras pas. Je veux d'abord que ce soit clair. Je veux d'abord que ce soit clair. Parce que je veux que ce peuple-ci qui m'écoute, que vous compreniez qu'il y a la folie dehors. Il y a la folie dehors. Il faut que vous puissiez discerner le vrai du faux. Le vrai du faux. Je ne suis pas là pour vous rendre riche. Mais je suis là pour que vous couvriez la porte du royaume des cieux. Que vous y entrez et que vous soyez sauvés. C'est ça mon objectif. Et sachant que Dieu ne veut pas que vous souffrez, Dieu veut que vous prospérez et que vous mangez, vous profitez du fruit de votre travail. Parce que tous ceux qui travaillent doivent profiter du fruit de leur travail. Voilà pourquoi aucun sorcier ne doit te retenir captif. Tu dois pouvoir travailler, c'est normal. Tu dois pouvoir te marier, c'est normal. Tu dois pouvoir voyager. Quand tu es appelé à te voyager, c'est normal. C'est normal. Voilà pourquoi nous prions et nous détruisons les mains de l'ennemi. Nous détruisons les actions de l'ennemi afin que tu puisses accéder à ta bénédiction. Mais ce n'est pas le résultat de ta foi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le résultat de la vie spirituelle. Ce n'est pas ça la conséquence de cet évangile-ci. Vous comprenez? Le résultat final que nous voulons, c'est le royaume. Et sur la terre, si nous allons goûter déjà les prémices de la bénédiction de l'Éternel, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais ce n'est pas ça le centre de notre message. Parce que nous savons que c'est un acquis, une fois qu'on a le royaume et la justice. Voilà pourquoi je dois pomper avec le royaume et la justice
Et je suis sûr qu'à partir de là, les choses terrestres, vous les aurez. Mais vous devez les avoir sans les idolâtrer. Voilà pourquoi je dois éviter de les présenter d'une certaine manière. Ce qui manque à plusieurs de mes frères. Sans orgueil. Ce qui manque à plusieurs de mes frères. Parce que beaucoup maintenant prennent l'évangile comme si c'était un moyen de trouver le travail, c'était un moyen de trouver le mariage. Et ça, c'est à cause des prédicateurs qui ont très mal présenté la chose. Très mal présenté la chose. Et l'évangile des francs-maçons s'est infiltré facilement. Parce que c'est eux qui ne parlent que du pouvoir, qui ne parlent que de la domination, qui ne parlent que du profit. Et l'esprit-ci est entré maintenant dans l'évangile. Et ça a fait ce que vous voyez là. Ça fait ce que vous voyez là. Maintenant, on va vous parler de quoi? Du développement personnel. Ça, c'est la gnose. Ça, c'est la gnose. C'est le gnostique. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Oui. C'est les évangiles maintenant montés. Et quand ça entre, tu n'as pas besoin de dire que je suis franc-maçon. Non. Si l'évangile franc-maçon est prêché dans l'église, vous êtes devenus des francs-maçons. Donc, il y a beaucoup là qui s'appellent chrétiens, ils ne savent pas qu'ils sont déjà en train de fonctionner dans l'esprit de la franc-maçonnerie. À cause de quoi? Des types des enseignements qui viennent de là-bas qu'ils ont reçus. Que Dieu désenvoûte son Église au nom de Jésus-Christ. Quiconque m'écoute, tu es désenvoûté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.